Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le tirage au sort pour le concours de Diamond Painting. Donc c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc d'abord je souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde, à tous les amoureux. Voilà. Donc vous avez été nombreux, comme d'habitude, à participer au concours. Donc, vous êtes à 140 personnes à avoir participé. Donc, je rappelle qu'il y a 3 lots à gagner. Donc, on va faire le tirage au sort de 3 gagnants. Voilà, comme d'habitude, je vais faire le tirage au sort directement sur mon ordinateur avec un logiciel. Comme ça, il n'y a pas de triche. Et donc, on va commencer tout de suite et je donnerai les explications après. Alors, je prends mon petit carnet et je change le téléphone de place. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, on est sur le logiciel. J'ai bien mis 140 pour le maximum. Je vais lancer le tirage au sort pour le troisième lot, pour le dernier lot. Donc, c'est le numéro 45. Donc, le numéro 45, c'est Monique Motin qui a gagné. Voilà. Donc, félicitations à Monique. Donc, je vais le marquer tout de suite sur mon carnet. Désolée si ça bouge. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le tirage au sort. Hop, je reviens sur le tirage au sort du deuxième lot. Donc, c'est le 126. Alors, le 126, c'est Sylvie Betan, ou Betan. Désolée si je prononce mal. Alors. Pour le deuxième lot, voilà, et maintenant pour le lot numéro 1, alors le lot numéro 1, le numéro 34, alors, Michel Palisson, voilà. Donc, je vais le noter aussi sur mon carnet. Voilà. Donc, je reviens tout de suite face à vous pour redonner le nom des gagnantes. Donc, voilà, le tirage au sort a été fait. Donc, je redonne les noms des gagnantes. Alors, pour le lot numéro 1, c'est Michel Palisson. Le lot numéro 2, Sylvie Betan ou Betan. Le lot numéro 3, Monique Motin. Voilà, donc j'espère que j'ai bien prononcé vos noms. Mais de toute façon, je les remets à la fin avec la photo des lots que vous avez gagnés. Alors, maintenant, pour ces 3 personnes qui ont gagné, je vous demande de prendre contact avec moi par email. Donc, vous avez mon email en barre d'infos. Donc là, vous avez 7 jours pour me contacter. Si au bout de 7 jours, je n'ai pas eu contact par ces personnes ou une des personnes, le lot ou les lots correspondants à la personne qui ne m'aura pas contacté seront remis en jeu pour un tirage au sort. Que je referai donc dans 8 jours dans ce cas-là. Voilà.
Mais bon, je pense que les personnes vont me contacter, on verra. Donc là, vous avez bien 7 jours pour me contacter par email. Par email, vous m'envoyez donc votre nom, votre adresse. Marquez-moi bien votre nom, si ce n'est pas le même que sur YouTube, mettez-moi bien votre pseudo de YouTube pour que je sache que c'est bien vous. Sinon, voilà, bon, je pense que ça devrait aller. Mais s'il manque quelque chose, je vous le demanderai par email, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie à tous déjà d'avoir encore participé aussi nombreux et nombreuses à ce concours. Comme d'habitude, vous savez qu'il y en aura d'autres. Là, le prochain tirage au sort, c'est dans une semaine pour le concours des cadeaux de coloriage. Hein, là, vous avez encore une semaine pour vous y inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, le tirage au sort, ce sera dimanche prochain. Et après, je vais voir donc pour faire un concours courant mars, je pense, sur le diamond painting. Voilà. Alors, encore merci à tous. Et là, j'attends des nouvelles, donc des gagnantes par email. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.